Chaque message, un journalier de ta petite voix intérieure, peut être une direction générale pour ta journée. Et réécouter ce message le soir peut t'aider à considérer ta journée qui vient de s'écouler. Namasté. Bonjour, je suis ta petite voix. Et je viens te dire aujourd'hui, 12 janvier, tu sais, si un enfant qui apprend à marcher tombe, eh bien, il n'est pas découragé, mais il se ramasse et essaye encore et encore, jusqu'à ce qu'il ait maîtrisé l'art de marcher. Eh bien, il en est de même avec la vie spirituelle. Jamais, à aucun moment, ne permet aux échecs apparents de te décourager, d'avancer le long du chemin spirituel. Tu sais, si tu tombes, eh bien, ramasse-toi. Simplement. Et essaye. Essaye encore. Ne te contente pas de rester là, à t'apitoyer sur toi-même, disant que tu ne peux pas continuer et que, eh bien, la vie est trop difficile. Ton attitude, eh bien, elle doit être toujours fondée sur la certitude intérieure, absolue, qu'une fois tes pieds posés sur le chemin spirituel, tu atteindras le but. Et peu importe les obstacles que tu pourras rencontrer. Tu verras que le temps passé seul dans le silence te recharge spirituellement et t'aide à faire face sans hésiter ni faillir à tout ce qui peut se présenter. C'est pourquoi le temps passé seul avec moi, ta petite voix intérieure, chaque matin, aide à te donner des forces pour tout ce que la journée peut apporter. Je te souhaite une excellente journée, douce pensée.